En ce début d'année 2014, j'ai souhaité vous présenter mes meilleurs vœux. Je le fais de manière un peu symbolique, devant le monument érigé à la mémoire d'un homme qui m'est cher parce qu'il a su rester fidèle à un certain nombre de valeurs, valeurs qui aujourd'hui sont mises en difficulté, sont oubliées par les uns et par les autres. Cet homme, c'est Augustin Malroux. Voilà ce qu'il disait en 1940. Ceci est mon testament politique. J'ai été élevé dans l'amour de la République, l'amour de la République. Aujourd'hui, on prétend la crucifier. Je ne m'associe pas à ce geste assassin. Je reste protestataire. Alors, je ne suis pas venu ici pour vous dire que j'étais un protestataire. Je suis simplement venu vous dire ici que je veux rester fidèle aux valeurs qui sont celles de la République, aux valeurs d'égalité, de liberté, de fraternité, de laïcité. Ces valeurs, je l'ai dit, elles sont en danger. Alors, à une époque où les difficultés économiques sont foison, à une époque où chacun de vous est un peu angoissé par les incertitudes de l'avenir, je veux vous présenter des vœux. Les vœux basés sur une confiance retrouvée, sur une nécessité d'être plus tolérant, d'être plus positif, d'être plus généreux, d'agir tous ensemble avec une confiance retrouvée. Tels sont les vœux que je vous adresse, en espérant que cette année sera pour vous une année meilleure, une année de fraternité, une année de bonheur.